Il y a quelques temps, n'ai-je pas organisé un fameux concours avec LV3D pour gagner une fameuse imprimante 3D? Je crois bien que si. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est donc l'heure du saint verdict. Eh ouais. Comme vous le savez, le 10 février, j'ai organisé un concours en partenariat avec LV3D pour vous permettre de gagner une imprimante 3D et sur Twitter et sur Facebook. Si vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment que vous ne me suivez pas parce que j'en ai vraiment parlé beaucoup de fois. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est l'heure du verdict. Nous avons eu plus de 1300 participations sur Twitter et 265 participations sur Facebook. Oui, je dis bien 265 sur Facebook parce qu'il fallait partager et liker la publication. Donc si vous avez liké sans partager, eh ben ça compte pas pour la participation. Mais comme vous, abonnés fidèles qui me suivez, vous savez sans nul doute que j'ai fait une vidéo il y a 3-4 jours de ça pour annoncer que les participants Facebook devaient migrer sur Twitter. Normalement, ces 265 personnes ont dû migrer sur ce concours. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué le pourquoi du comment, je vais pas revenir dessus. Normalement, vous avez tous migré sur cette publication. Faites pas attention à cette miniature. On va donc ouvrir la page du concours. Donc aujourd'hui, un ou une abonnée va être le ou la plus chanceuse du monde. Nous allons donc copier le lien du concours, comme ceci, et nous allons nous rendre sur le site Trench, qui est un site que vous m'avez recommandé pour faire les tirages au sort, et c'est apparemment le plus... comment qu'on dit ? Merde, comment qu'on dit ? Le plus fiable qu'il soit. Attention, mesdames et messieurs, c'est un grand moment sur la chaîne. Vous savez que j'ai pas tous les jours l'occasion de vous faire gagner une imprimante d'une valeur de 400 €, donc... C'est un grand moment. Nous allons coller le lien du concours ici. Alors vous inquiétez pas, j'ai fait un test avec un petit concours pour gagner un gif pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez. D'ailleurs, félicitations à SocacPVP qui avait gagné son gif d'un chat qui tape sur un ordinateur. C'est un très beau prix. Nous allons lister les retweets. Attention, donc, il fallait, pour jouer, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, il fallait suivre mon compte, le compte de LV3D Contact et RT le poste. Voilà. Donc sur les 1300 participants qui ont RT le poste, l'ordinateur a retenu 1171 candidatures et 39 bots qui ont été exclus. Alors pourquoi il a retenu que 1171 candidatures sur les 1300? C'est tout simplement parce que sur les 1300, il y a des gens qui à mon avis ont juste retweeté le poste sans suivre la chaîne de LV3D ou la mienne et vice versa. Ok, tirage définitif. Ce tirage sera considéré comme officiel, il sera archivé et consultable par tous ici. C'est pour ça que j'ai choisi ce site. Utilisez ce bouton uniquement si vous souhaitez faire le vrai tirage au sort et non un tirage d'essai de test. Nous allons donc passer directement au tirage définitif. Mais avant cela, mesdames et messieurs, puisque c'est un grand moment, nous allons appeler Karl de chez LV3D pour faire le tirage au sort en direct avec nous. C'est parti, on appelle. Ça sonne. Absent pour le moment, vous pouvez me laisser un message sur mon portable, je ne manquerai pas de vous rappeler. A bientôt. Ah, ah merde. Ça sonne. Oui, allô. Oui, allô, Karl. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est pour la valise RTL. C'est pour la question à 5 000 €. D'accord, très bien. Oui. C'est pour un tirage au sort de chez LV3D qui devait s'effectuer le 20 mars. Jonathan ? Oui, bonne réponse ! Bonne réponse, Karl ! Eh ben écoute, tu sais quoi ? Je t'appelais pour qu'on fasse le tirage au sort tous les deux en direct. J'ai juste un bouton à appuyer. On est en direct ! Attention, mesdames et messieurs, on est en direct ! Nous sommes en direct ! Enfin, ce sera une rediffusion, mais c'est le direct. Lutin de herde. Attention Karl, j'appuie sur le bouton tirage définitif. Ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses s'il vous plaît. Ordinateur, s'il vous plaît. Attention, tirage définitif. Karl est avec moi en direct. En direct avec Jonathan, tirage définitif. Ah ! Et nous avons... Ah bah c'est dommage pour toi, tiens. Il va voir... Ah bah tu vas être dégoûté mon vieux. Nous avons CR Frais YouTube. Vérification, c'était lui qui avait gagné normalement, mais il ne m'a pas follow. C'est dommage pour toi. Merde, j'ai plus de batterie. Et c'est donc le deuxième qui remporte l'imprimante 3D, soit Nudge TLS. Eh bien bravo à toi Nudge TLS, on peut l'applaudir, il remporte une imprimante 3D de chez LV3D. Wow.
Voilà, on peut le féliciter très fort. Grosse félicitations à toi, Nage TLS. Et CR Frey, bah, c'est vraiment dommage pour toi. Il ne m'a pas follow, il a juste retweeté le post sûrement, mais voilà. Donc, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter Nage TLS. Et Nage TLS, je vais t'envoyer un petit message privé sur Twitter. Tu auras 3 jours pour me recontacter. Et puis, après ça, je vendrai ton imprimante 3D à la brocante en bas de chez moi. Bon, ok, Karl. Eh ben, merci à toi en tout cas. Je te recontacterai quand j'aurai pris son adresse. Pour ce partenariat de ouf, j'attends que tu retweets, que je retweete moi-même sur Twitter, comme ça ils vont être contents et voilà. Et ouais, voilà. Bah tu sais quoi, je vais prendre une capture d'écran et je vais la mettre sur mon Twitter et puis tu pourras la retweeter, comme ça je vais essayer de le contacter. Donc Nage TLS, je vais t'envoyer un petit message privé sur Twitter, tu auras donc 3 jours pour me recontacter. Et CR Frey YouTube, et ben je serai toi, je me mettrai dans ma chambre sous ma couette dans le noir et je pleurerai au moins pendant une ou deux semaines. Non vraiment, désolé mais voilà. C'est le but du jeu, hein. C'était comme ça, il fallait follow LV3D, me follow et retweeter le post. Donc je vois que là tu as dû retweeter le post, mais peut-être que tu n'as pas cru en toi et du coup tu m'as unfollow sur Twitter, c'est dommage. Donc nous sommes sur la page de Nage, il a bien retweeté le concours, il follow bien ma chaîne, c'est marqué. Est-ce qu'il a follow LV3D? Normalement oui. Il a follow LV3D, c'est cool. Donc voilà les gens, le concours est clos. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux Twitter et Facebook. Si j'ai d'autres occasions de refaire participer à des concours comme ça, je le ferai bien entendu volontiers. Et pour les personnes qui ont perdu, ne vous inquiétez pas, je connais. Pour vous dire, j'arrive même pas à me rentabiliser un banco quand je vais le gratter au bar tabac du coin. C'est pour ça que je vais jamais au bar tabac du coin gratter un banco d'ailleurs. En tout cas c'est comme ça, il y a toujours un gagnant, il y a des perdants, c'est le jeu. On va féliciter Nage quand même. Et on va surtout remercier LV3D sans qui ce concours n'aurait pas pu être possible. Donc vraiment un grand merci à Karl de chez LV3D. N'oubliez pas, vous avez tous les liens dans la description. Vous avez le lien de l'imprimante, vous avez la chaîne YouTube de LV3D, vous avez leur Twitter. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Bon sur ce les gens, on va se laisser là en disant encore une fois un grand bravo à Nage. Vraiment, félicitations à toi, GG. Et les autres participants, ne perdez pas espoir. Si jamais il y a un autre concours, n'oubliez pas, rien n'est impossible. Sur ce, on se laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye. Yo, I ain't here for the money.